OK. Vous tentez par tous les moyens de vous débarrasser des pissenlits? On a quelques suggestions pour vous aider. Bonjour, chers auditeurs de la Superstation. Alors aujourd'hui, on va vous montrer quelques trucs à ne pas faire et faire pour vous débarrasser de vos pissenlits en ce printemps 2012. On a ici la fayeuse maillotte. La fameuse maillotte qui est très efficace, semble-t-il. Je vous invite à vous approcher, Mme Landry. Alors, voyez ici. Ça les fonctionne très bien, mais la racine n'est pas ôtée du pissenlit. OK. Le deuxième truc, c'est la scie à chaîne. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas très efficace non plus. Et troisièmement, on a attaché avec cette corde un pissenlit. Ça fonctionne pas très bien non plus. Vous l'aurez remarqué. Ce qui fonctionne, c'est ce qu'on appelle le désherbeur garant. Parce qu'avec garant, c'est garanti. C'est l'arrache pissenlit. C'est l'arrache pissenlit. Encore faut-il qu'il y ait des pissenlits. OK. Alors, vous voyez, c'est très efficace. Sur le pissenlit, vous tournez. Et voilà! Le pissenlit est là. Avec garant, c'est garanti à gagner.